cul de patron, c'est guéri. Oh bah oui. Entendez le bruit de la dégustation des nouilles. Est une animation très rare dans le live game. Vous pouvez y voir. C'est des nouilles nature ou... C'est des nouilles japonaises, je sais pas, mais en tout cas elles sont très bonnes. Non, pas nature, vu qu'il y a un peu de poulet dedans, des légumes et un glaire. Ouais, c'est très fréquent dans les nouilles. D'accord, c'est un glaire japonais a priori. Oh, c'est bon. All right, I'm gonna show you guys. I'm in pro league. Me, I'm Mary. Oh, Mary, really? Ah non, je suis bloqué dans un cul-de-sac. Mon agresseur va-t-il venir me finir? Ah non. Attention, votre drone a localisé une bombe. Insertion dans 10 secondes. Mais c'est en bas. Hein. Moi. Là, c'est la black. La cam de Maestro. Sorry. Mais non, fils. Mais t'es sérieux? Je suis désolé, poulet, il est parti tout seul, je t'ai pris pour un rook. You fiou. Je plante sur mes trucs là. Vas-y. Oh, ça arrive, hein. Attention, il est rentré, yes. Doc. Je suis désolé pour ceux que ça dérange que je mange en live, il y en a qui supportent pas les bruits de bouche et tout. Sachez tous à ces personnages, je tiens à vous. Je vous emmerde en fait. Une chose genre comme dans la famille Adams, quoi, une main. Ouais. Oh ouais, putain, la chose, putain, tu viens de me rappeler des souvenirs de 1950. Ah, ça. C'est pas dans Beetlejuice? Ah non, c'est dans la famille Adams. C'est dans la famille Adams, la main qui se balade. Avec Morticia Adams. Et Akin n'a jamais fantasmé sur Morticia. Grave, elle était sexy. Elle était charmante, un peu blanche. Et même son mari était pas mal avec sa moustache. Non, ça ira. Non, d'accord. Et la chose. Cousin machin, putain, je suis con. Ah, la boule de poil ambulante là. Putain, oui, ça aussi. Hein? Bon. On est d'accord. On est d'accord. Ouais, on surfe sur les mêmes goûts à peu près. Allez, on va. Oh! Potato! Oh. Il est où le dernier? J'aimerais bien faire un kill. Cuisine, je crois, non? Clark, laisse-moi le dernier, s'il te plaît. Oh. Il est là-bas, il est pour moi. Ah. Arrête, 6-4, t'es vraiment pas drôle. C'est 6-4, franchement, tu déconnes. Ah, fils de pute! Allez, aide-moi! Allez, Ina, viens! H1N1! Ah bah bravo, il est de l'autre côté. Mary, si tu perds le round, je défonce ta petite gueule. Reste-moi, putain. Si tu perds le round, mec, je te jure. Reste planqué. Il arrive, ouais, tu l'as. Tu vas le louper, il est en train de te droner. Il te drone, il va décaler, il sait que t'es là. Il le sait. Ah, les pré-shots de merde. Ça plante, il va pas planter, je te le dis. Bah, oui, t'avais qu'à pas me tirer dessus. T'es trop une merde. Mec, moi au moins j'assume. Je suis désolé, je lui ai mis une tête. Regardez ouais. Bien la kill cam. Ouais, bah lui t'as bien mis une tête, ça c'est sûr, on l'a bien vu. Hein. T'es vraiment une merde, sérieux. Bah tout ça c'est de ta faute, mec. Tu m'aurais pas déconcentré ou fait n'importe quoi, tu... Bah, voilà. Mais j'avais 6 HP, t'étais pas obligé de me tuer, mec. Bah mec, j'ai eu peur que tu me tues pour de vrai, moi. Mais je dois te tirer pas dessus, j'étais en train de balancer un pré-shot dans le mur, mec. Bon les enfants, ça suffit maintenant. Oh là, putain. Oh la vache. Oh, il y a 100 viewers en moins, là. Ça a été quoi ton parcours pour bosser chez Gameloft Ubisoft? Force à toi, on t'aime. Moi, chez Gameloft, j'ai un master en marketing. Donc voilà, et j'avais bossé dans une startup qui faisait aussi du mobile. Et comme ça fait 15 ans que je suis dans l'e-sport, bah, quand ils ont cherché un mec pour faire de l'e-sport chez le mobile, etc.
sur le mobile, bah ça correspondait tout à fait à mon truc quoi. Et en fait, pour la petite histoire, le fait d'avoir bossé chez Gameloft, c'est en devenant, en gagnant une Pro League avec Rainbow Six. Ça m'a permis de rencontrer Elisandre, et Elisandre qui m'a aidé, qui m'a filé un coup de main pour postuler à ce poste à l'époque. Si j'avais pas gagné la Pro League, je serais... Je m'en bats les couilles. Non mais écoute, c'est, ça c'est normal, toi avec ta vie de merde. Je m'en bats les couilles. 6-4 est gay, oui. Pas du tout. C'est pas au top, hein, c'est pas Commander. Et ça se trouve ils sont là, pas sur la map. Ça se trouve ils sont top, ils sont tous partis dans une autre map. C'est pas au top, c'est pas au top, c'est pas au top. Ils nous attendent. Je mets celle-là, je sais pas ce que ça va donner. Hein. Il pousse notre pote. Hein. Oh. Oh merde. T'es vraiment un blaireau. Mais je savais pas qu'il était derrière moi. Ok. Sorry pour ça. Merde, désolé. Excusez-moi. À terre. Ok. Qu'est-ce qui... Il est derrière son truc comme tout à l'heure. Fais plus à droite, Iba. Okay, elle est trop bien son arme à elle. Hein. À Gridlock, elle est trop bien son arme. Bah, désolé pour le TK. Elle a pas de recul. En fait, j'ai dit désolé, mais je t'ai pas demandé d'en rajouter derrière quoi. Tu saoules tout le monde là. Au bout d'un moment, c'est bon, stop. Tu assumes ta mort et c'est tout. Merde à la fin. Chier. Du coup, t'es pas allé au Six, poulet? Non, on s'est pas vu au Six. Non. Pourquoi? C'était un... T'as pas été invité? Ah si, j'ai été invité, mais des problèmes... Enfin, mon grand-père, voilà, qui est décédé. Oh, ouais, oh mais merde, on va retourner là. Avec mes deux grand-mères qui sont à l'hosto en ce moment. Bon, j'ai eu des nouvelles, ça va un peu mieux pour l'une d'entre elles. Dommage. Oh, fils de pute. J'ai le don pour te poser des questions de merde ce soir, j'ai l'impression. Ouais. Alors comment va ta voiture? Bah j'ai eu un accident de voiture, 3 morts. Ouais. Il y a eu 3 morts mec. Non, le mec a vraiment une vie de merde quoi. Et du coup ta nouvelle voiture, bah ouais, bah elle est morte. Oh, ça va. Et t'avais toujours un animal de compagnie. Bah ouais, je l'avais. Ouais, jusqu'à ce qu'un rouleau compresseur décide d'en faire un tapaillasson quoi. Bien, bah du coup, ce qu'on fait c'est qu'on parle pas à Jed la soirée quoi. Ah, le mec va nous déprimer tous. Il va nous... Et à chaque fois il va nous sortir un truc. Ah parce qu'en plus on lui a demandé comment ça allait sur le live et tout, il était en mode sur le ah j'arrive pas à en vivre etc. Et ça te dit qu'on se fasse un resto un de ces quatre ou quoi? Ouais bah les restos du cœur hein, de manière j'ai une carte de fidélité là-bas donc Je sais même pas où on attaque. Bonsoir Mary et 6-4. Alors déjà c'est Mary avec un seul R hein, déjà, mais bon je t'en veux pas. Et 6-4, je suis nouveau sur clavier souris et je voulais savoir c'était quoi la touche pour m'habituer et bien te marrer. Hein? De quoi? Hein? Quoi? Te touche pour m'habituer et bien te marrer. Te touche? Ouais, hein? Est-ce que tu fais? Parce que visiblement, les gens sur YouTube sont un peu dyslexiques. Donc lis-le avant, dans ta tête, et puis si ouais. La phrase elle a du sens, tu peux nous la dire. Ok? Ouais, allez, on fait comme ça. Bah pour bien te marrer, à mon avis, c'est Alt F4, mec. Hein. Ah, ça, c'est un bon combo de touche. Hein. Ouais, ouais. Je pense que. Alt F4, tu passes ton clavier en Yourpie. Ouais, derrière là. Allez là, derrière le truc. Derrière le truc, derrière le truc. Un monstre. Mec. Joué. Alors là. J'aurais vu personne, mais attention, j'interviens. Attention, c'est mon tour. Je vais tirer. Mais où est-il donc? Capcan derrière, hein. Bombé. Enfin, local électrique. Non. Hey. Avec le bruit de l'harmonica sur le kill était parfait. Ouais c'est bon ta gueule. Pardon.